Good morning, everybody here. Everybody, good morning. How are you? Bonjour. Ok, I'm back. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Bonjour, bonjour. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes dans un nouveau mois, le mois d'août. C'est un mois de délivrance et un mois de gloire. Bienvenue dans le mois d'août. Je vous souhaite la bienvenue et désolé pour le silence. En fait, je suis en retraite spirituelle. Je suis en retraite depuis. Dans tous les cas, chaque première semaine de chaque mois, je la dédicace à Dieu pour me ressourcer personnellement. Les 3 autres semaines, je les dépense. Je dépense ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors, comment vous allez? Le mois d'août, comment il s'annonce? Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce mois d'août. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Voilà. Nous attendons nos bien-aimés. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo au maximum. Partage à un maximum de personnes. Rassure-toi que tout le monde puisse être connecté à ce direct. Tous tes amis, tous ceux que tu connais. Alors, il y a une question que je vais aborder ce matin. Il y a une question que je vais aborder ce matin. Donc, il y a une question que je vais aborder ce matin. Et nous sommes dans le mois d'août. Le mois d'août sera un mois de grâce, de bénédiction pour nous. C'est un mois de grâce. Je vais revenir sur le scandale de la sextape me concernant. Et je vais vous faire voir cette vidéo-là tout à l'heure. Donc, c'est terrible. Le Cameroun est terrible, je vous assure. Donc, nous sommes au mois d'août. Nous aurons 4 dimanches redoutables pendant ce mois d'août. 4 dimanches redoutables. Waouh! Et c'est un mois de gloire. Le thème de ce mois, de la honte à la gloire. De la honte à la gloire. Le Seigneur m'a dit qu'il nous rétablit dans la gloire. Dans tous les cas, nous avons brisé les limites le mois passé. Nous entrons dans une dimension glorieuse. Chaque personne doit entrer dans une dimension glorieuse en ce mois d'août. Donc le mois d'août va t'apporter la gloire. La gloire et la victoire dans tout domaine où tu as patiné et pataugé. Donc il faut avoir confiance en Dieu. Donc tous les dimanches, chaque famille, Garitawa Inas Malozen, chaque famille, oh Glorias, Man Eforosa, chaque famille doit venir avec quelque chose qui représente sa maison. Tous les dimanches, les familles seront consacrées à Dieu. Tous les dimanches. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, Bertoua et partout dans nos églises, dimanche le 7, donc dimanche, ce dimanche et le 7, que chaque famille soit présente avec ses enfants, avec ses membres, et venez avec un objet qui représente votre maison. Venez avec un objet. Tous ceux qui seront connectés en direct auront un objet qui représente leur maison. Nous allons prendre cela comme un point de contact. Pourquoi? Parce que ne pouvant pas aller dans toutes vos maisons, tu peux m'apporter ta maison en miniature dans la maison de mon Dieu. Qui est ton Dieu aussi. Donc, dimanche le 7, le 14, le 21, le 28, ça sera 4 dimanches redoutables. Chacun, chaque famille viendra avec un objet de sa maison. Et on va consacrer cet objet à Dieu. Et vendredi, nous aurons 4 vendredis puissants
que ce soit à Yaoundé, à Douala, n'importe où. Donc, vendredi, ici à Yaoundé, le 5, le 12, le 19, le 26. Tous les soirs, nous nous retrouverons à la bière, comme ce vendredi 5 août, à partir de 17h, à la bière. Donc, s'il te plaît, ne manque pas, ne manque surtout pas. Les vendredis, ce mois, c'est la gloire. Dieu va contaminer ta vie de sa gloire. Je t'en supplie, de la honte à la gloire. N'oublie pas ce thème, il changera ta vie. De la honte à la gloire. De la honte à la gloire. Qui attend la gloire de Dieu pendant ce mois d'août? Tu écris simplement, j'attends ta gloire, Seigneur. Ou tu mets de la honte à la gloire. C'est une confession puissante. C'est une prophétie qui va accompagner ta vie pendant ce mois d'août. De la honte à la gloire. Ça veut dire que partout où l'onction de Dieu trouvera la honte dans ta vie, elle remplacera cette honte par la gloire. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus. Donc, tous les vendredis, chacun vient avec sa bouteille d'eau. Viens avec ta bouteille d'eau tous les vendredis. Écoutez bien les injonctions prophétiques du mois d'août. Tous les vendredis, tu viens avec une bouteille d'eau à l'église. Toi et ta famille, nous allons prier, impartition et nous implorons, nous appelons la gloire de Dieu dans notre vie. Ta marche avec Dieu doit être glorieuse. Ton mariage doit être glorieux. Ta carrière doit être glorieuse. Ton entreprise doit être glorieuse. Tout ce que tu entreprends dans ta vie doit être glorieux parce que ton Dieu est le Dieu de gloire. Qui croit que son Dieu est le Dieu de gloire. Donc voilà comment ça va se passer pendant ce mois d'août. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dimanche le 21, je répète, dimanche le 21, j'aurai culte familial du côté de Berthois avec service d'eau ointe. C'est le dimanche de gloire, de la honte à la gloire. Donc je serai là. La dernière fois, je n'ai pas pu être là. Mais ce dimanche 21, je serai à Berthois. Je serai à Berthois. Et ça, je vous l'assure, je serai à Berthois. Mets en commentaire de la honte à la gloire. C'est ta confession pour ce mois et ce sera le fil conducteur prophétique de ta destinée. Pendant que tu l'écris en commentaire, si tu es vivant, tu m'écoutes. Tu es vivant, s'il te plaît, écris cela en commentaire. Et Dieu t'exauce. L'ange de Dieu vient vers toi pour remplacer toute honte dans ta vie, ta carrière, ton mariage, ta vie sentimentale, tes projets, tes entreprises, etc. Dans tous les cas, remplacer toute honte par la gloire. Donc, dimanche le 21, je serai à Berthois. Je serai à Berthois pour le culte des familles à partir de 8h à Mokolo 1, ancienne SCT. Et lundi le 22, je serai à la prison centrale de Berthois. Lundi le 22, je serai à la prison centrale de Berthois. Je serai là pour saluer les prisonniers et je bénis Dieu pour le régisseur de la prison centrale de Berthois qui nous a accepté, qui a accepté la congrégation baptiste camerounaise. Donc, la congrégation baptiste camerounaise est représentée par moi en tant que chef de district de la Mefouya Famba de la congrégation baptiste camerounaise et chef du poste missionnaire Rema Ministry Mission, aussi à Ebol Maison à Yaoundé. Donc, je serai là pour représenter la CBC. Je serai avec les prisonniers, nous allons prier avec vous. Je vais écouter vos sujets de prière. Nous allons présenter nos requêtes à Dieu et nous allons vous partager ce que le Seigneur nous mettra à cœur selon les moyens qu'il nous accordera. Donc, on va distribuer quelques biens de première nécessité, peut-être des savons, des vêtements, etc. Donc, nous serons à la prison centrale de Berthois. Et après cela, je reviendrai ici en Kondengi, par la grâce du Seigneur Jésus, pour aussi rendre visite aux prisonniers de Kondengi. Et puis, on ira à Douala, à New Bell, au milieu des prisonniers, pour pouvoir leur rendre ministère et partager avec eux le peu que le Seigneur nous donnera. Que Dieu vous bénisse. Au nom précieux souverain de Jésus. Qui le dit? De la honte à la gloire. C'est ton mois d'août. De la honte à la gloire. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous aurons des nuits de prière redoutables. À Douala, la nuit de flamme, ce sera le 19, vendredi le 19 août. Tandis qu'à Yaoundé, la nuit de flamme, ce sera vendredi le 26 août. J'espère que je ne suis pas en train de me foudroyer dans mon programme. Oui, Douala c'est vendredi le 19 août et Yaoundé c'est vendredi le 26 août. Donc toutes les familles sont invitées à ce grand programme. Et à Douala, la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons 3 jours de réveil. 3 jours de réveil de la honte à la gloire sous le thème de la honte à la gloire. Donc la semaine prochaine, j'entame avec Douala. Donc du 9 au 11. Du 9 au 11, nous serons à Douala par la grâce de Dieu. Donc tous les habitants de Douala doivent m'attendre du 9 au 11 août, tous les soirs à partir de 17h en Dogbon, derrière l'immeuble Camlay. Donc ne manque pas ce grand programme, ce sera extraordinaire. Le Seigneur veut te libérer de tout lien de honte dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et à Yaoundé, ce sera du 16 au 19 août. Du 16 au 19 août,
Nous aurons 4 jours de réveil à la bille. Ça sera puissant. Ne manque pas à ce grand programme du 16 au 19 août et du 11 au 14. C'est la Convention internationale de la jeunesse chrétienne. Donc, il n'y a pas de barrière. S'il vous plaît, chers parents, envoyez-moi vos enfants. Faites-nous confiance. Envoyez-nous vos enfants pour que nous les préparions à la destinée que le Seigneur a réservée pour eux. Et s'il y avait quelque chose mauvaise que le diable avait réservée pour vos enfants, nous allons prier contre cela pour assurer le lendemain spirituel de ton enfant. Donc, du 11 au 14. Tous les jeunes, si vous êtes chrétien, quelle que soit votre religion, même les musulmans, les catholiques, les protestants, les presbytériens, tout le monde est invité. Viens recevoir la révélation de ta destinée, le programme de Dieu pour ta vie, chers jeunes. Donc les parents, mettons les moyens à la disposition de nos enfants et laissons-les être à la bille du 11 au 14. Donc pendant que ça se fait, que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Sur toute l'étendue du Cameroun, nous attendons les jeunes, même ceux qui viendront de l'extérieur seront bien accueillis. Que Dieu te bénisse. Voilà, de la honte à la gloire. Dans ton ministère, cher homme de Dieu, de la honte à la gloire, Dieu te bénira. Dieu passera ton ministère ce mois de la honte à la gloire. Ton mariage qui a toujours battu de l'aile passera de la honte à la gloire. Ton business, toi qui es homme d'affaires, femme d'affaires, commerçant, etc., ça ne va pas, ta vie c'est compliqué. Dans tous les cas, ton commerce, tes affaires iront de la honte à la gloire, dans le nom souverain de Jésus. Toi qui as toujours entrepris des choses dans ta vie et ça a échoué, cette fois-ci, le Seigneur dit, ce sera de la honte à la gloire. Oh mon Dieu, quelqu'un dit amen. Et cette prophétie est son partage au nom souverain de Jésus, écrit simplement de la honte à la gloire. Donc voilà, ce matin, je voudrais partager quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai même hésité. Parce qu'il y a une sextape là qui est en train de circuler avec mon nom, sur ma personne. Et je préfère moi-même aborder le sujet avant que les détracteurs ne puissent reprendre le relais. Comme ça, l'on dira, le prophète lui-même en a parlé. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Il y a une sextape qu'on m'a envoyée. Mais je ne pourrais pas, je ne sais pas s'il faut que je vous montre les images. Parce que c'est un peu... S'il vous plaît, si vous êtes en train de suivre la télé, si vous avez les enfants à côté de vous, envoyez vos enfants jouer. Qu'ils aillent jouer. Parce que ce que je vais diffuser là, c'est un peu mauvais. Donc s'il y a les enfants, je vous laisse encore quelques temps. Je vous en prie, je vous laisse quelques temps. Donc, laissez les enfants partir parce que la vidéo est choquante. Elle va choquer les gens. Elle est où la vidéo là? Voilà. Donc, je voudrais que, oh Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir comment véhiculer ce message. Je t'en prie, je m'en remets à toi, je t'aime Jésus. Ce matin, je me suis réveillé, je vous assure, c'était extraordinaire. Dans sa présence, quand vous réveillez, parce que Dieu vous a réveillé. Et parce que votre âme est dans la prière et parce que vous êtes en train de chercher votre Dieu, je vous assure que c'est un sentiment terrible. Je n'ai que Dieu, Seigneur. Je n'ai que toi, tu le sais. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de toi. Gourazi wa inas pramidei wa anna marta udal. Seigneur, sauve-moi de la main de l'ennemi. Tout filet, Seigneur, sauve-moi et sauve ton peuple. Ce mois, la honte ne sera pas notre partage. Bien-aimé, la honte ne sera pas ton partage. Non, je te le dis. La honte ne sera pas ton partage. Ta vie ne peut pas continuer dans la honte. Dieu ouvre un portail. C'est un portail de gloire. Pendant ce mois d'août, j'espère en Dieu. Je crois en Dieu pour vous. Je sais que Dieu t'amènera à réaliser de très grandes choses. Donc, mais ce matin, je voudrais te parler de cette sex tape. Vous savez, j'entendais ça sur les autres. Je ne savais pas que ça allait arriver sur moi aussi. Ouais. Donc, il y a cette vidéo-là qui est en train de circuler. Je l'ai juste ici en face. Là, voilà, la voici ici, à côté de moi. Mais je ne peux pas vous montrer les images parce qu'elles sont choquantes. Parce qu'il s'agit de nudité. Ben, je pense que c'est hier qu'on m'a envoyé la vidéo, en fait. C'est hier qu'on m'a envoyé la vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire pour la diffuser. Aïe, je ne sais pas comment je vais faire. Oh, oh, attendez d'abord, pardon. La vidéo a déclenché elle-même seule. Ça, c'est... Pardon, éloignez les enfants. Éloignez les enfants. Pardon. S'il y a des enfants à côté de vous, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Éloignez les enfants. Laissez partir les enfants. Même les parents qui sont devant leur chaîne de télé, si vous entrez sur l'émission, si vous avez les enfants, je vous en supplie, par les compassions qui sont en Christ Jésus, éloignez d'abord les enfants.
Éloignez les enfants. Je donne encore 2 minutes. Je viens de donner le programme de la semaine pour ceux qui demandent le programme de la semaine. Et s'il vous plaît, les profils Ekane Ferdinand qui sont en train de vous écrire sur Messenger, Facebook, demandez l'argent, les offrandes. Ce n'est pas moi. Méfiez-vous. Il y a des personnes qui ont créé des faux profils en mon nom, de faux comptes. Il y en a tellement, il y en a moult sur Facebook. Méfiez-vous. Méfiez-vous, je vous en supplie. Méfiez-vous. Je ne demande pas l'argent aux gens. Je ne vends rien aux gens. D'abord même, c'est difficile. Nous n'envoyons même pas les amitiés aux gens. Demande d'amitié aux gens. J'ai tellement d'abonnés, tellement de messages que je n'ai pas le temps. Donc méfiez-vous. Tout prophète Kane Ferdinand qui vous donne les prophéties sur Facebook, ce n'est pas moi. Généralement, je donne mes numéros en direct, mes numéros WhatsApp, et je vais les redonner ce matin, mes WhatsApp. Je dis encore, les parents, je vous en prie, éloignez vos enfants. Éloignez vos enfants. Je vais diffuser une vidéo interdite. Même 18 ans, même les enfants de 18 ans qui partent. Demain naissance, je prends mon téléphone. 18 ans qui partent. Let them go. Donne-moi. Ok. Thank you, Lord. Voilà. Donc, il y a les gens qui disent que les gens les ont demandé les offrandes. J'ai dit que quand les gens vous demandent déjà les offrandes, on dit prophète de Kane Ferdinand, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, ce sont les arnaqueurs. Donc, ok. Moi, je pense que j'ai averti tout le monde par rapport à cette histoire de sextape, ou c'est fake-step, ou c'est sextape, ou c'est quoi. Ça, j'entendais ça chez les autres. Maintenant, je suis en train de venir de mon côté. Et je vais profiter rapidement pour vous donner mes numéros WhatsApp avant de diffuser la vidéo en question. Donc voici, j'ai deux WhatsApp que je donne à votre disposition. 692 40 71 86. Plus 237, 692 40 71 86. Donc ça, c'est WhatsApp. Plus 237, 692 40 71 86. Donc ça, c'est pour ce qui est du premier WhatsApp. Voici mon deuxième WhatsApp. Plus 237 672 13 03 23. Vous pouvez écrire ça en commentaire pour les bien-aimés. Plus 237 672 13 03 23. Voilà. Voilà ça. Voilà mes WhatsApp. Donc, hormis ça, faites attention. Hein? Je ne suis pas trop sur Messenger, vraiment. Il faut faire attention. Il y a mes numéros WhatsApp, rassurez-vous, parce que tellement de gens perdent leur argent sur Internet et il y a tellement d'arnaques. Et c'est de plus en plus sérieux. C'est de plus en plus sérieux. Je pense que mon direct d'aujourd'hui et de demain, je vais revenir sur un certain nombre de choses. Donc voilà donc cette vidéo qui m'a été envoyée hier. Mais je dis encore que ce que je vais faire, je vais vous faire diffuser, je vais diffuser le son, pas l'image de la personne. Je peux envoyer l'image, je peux envoyer les images parce que c'est pas pour respecter les intimités. Et donc, je vais vous faire écouter la vidéo maintenant. Voilà, je fais écouter la vidéo et on va revenir là-dessus. Et là, vraiment, je dis encore que je parle à des personnes matures. J'insiste là-dessus. Je parle à des personnes matures. Et je fais ce direct parce que c'est quelque chose qui est sérieux, qui est sérieuse. Et pour moi, je pense que ma vie est déjà un peu en danger. Ma vie est un peu en danger. Vous savez que les arnaqueurs déjà ne me laissent pas tranquille. Il y a des gens qui arnaquent en mon nom et il y a des gens qui sont convaincus que c'est le prophète Kane Ferdinand. Demain, je vais revenir sur un autre cas. Je reviendrai demain sur un autre cas. Et là, je vais lire le message pour que les gens comprennent. Il y a des scandales que les gens sont en train de chercher et tout. Et vraiment,
Que Dieu me préserve. Donc, je vais vous diffuser la vidéo si chacun va juger comme il veut. Voilà. Ok, il y a d'autres vidéos comme ça. Je ne veux pas continuer à diffuser ça. Donc, moi, je pense que je crois que ceux qui ont pu suivre ont un peu suivi. Donc la vidéo aussi m'a été envoyée hier ou avant-hier. Et il faut avouer que depuis le décès de Mommy, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour moi. C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que. Je ne sais pas ce qui arrive à certaines femmes. Je ne veux pas dire aux femmes en général parce qu'il y a des femmes quand même qui ont leur dignité, qui savent garder leur dignité. Donc ici, ça c'est une vidéo, comme vous avez écouté, pour ceux qui ont suivi, c'est une vidéo d'une femme nue qui se masturbe et puis voilà, elle m'appelle, elle appelle mon nom. Et elle se masturbe en m'appelant. Comme vous avez suivi, moi, je vais pas répéter ce qu'elle est en train de dire. Et elle est complètement nue, vraiment. Elle se masturbe, elle est nue. Et c'est une fille à l'église, une de mes filles à l'église. Donc, elle est à l'église avec nous, elle persévère avec nous. Elle ne considère pas sa personne, elle ne considère pas son image. Elle ne respecte pas mon nom, elle ne respecte pas ma personne. Elle n'a même pas peur de diffuser son visage parce qu'elle est là, on la voit complètement nue, son visage. Et elle ne craint même pas que ça peut tomber entre les mains d'une mauvaise personne qui peut diffuser ça. Sa nudité peut-être sur Facebook avec les mauvais temps qui courent aujourd'hui dehors. Mais dans tous les cas, c'est Ferdinand vient, Ferdinand monté, Ferdinand descendu, Ferdinand devant et tout cela. Donc, j'ai dit qu'il faut que je parle de ça. J'ai voulu garder le silence parce que j'ai accumulé tellement, tellement, tellement de choses comme celle-ci depuis. Le départ de Mommy vers le repos éternel. Et je pense que ça, c'est des choses qu'elle me disait lorsqu'elle était encore vivante, que si je meurs, vraiment, tu vas souffrir entre les mains des femmes. Les femmes vont, même en commençant par tes propres filles. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses, c'est qu'on ne peut pas parler de tout, parce que je ne suis pas la seule personne qui subisse ce genre de choses-là. Mais je dis que là, c'est un peu aller trop loin. Il faut que ça s'arrête. Je veux parler aux jeunes femmes. Faut que ça s'arrête, sincèrement. La femme, c'est la dignité. Et on a aussi besoin de repos. J'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin de paix, sincèrement. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et je voudrais parler à toutes les jeunes femmes qui m'écrivent et qui m'écrivent en disant qu'elles causent avec moi. Et que je leur ai promis le mariage, j'ai dit que j'allais les présenter tout. Je vais revenir sur le cas là demain. Le cas d'une jeune femme qui explique que moi, j'ai promis, elle cause avec moi depuis le décès de Mommy, et que j'ai dit que je vais venir dans son église. Même son église était préparée pour le mariage. Les gens cousaient les pagnes et tout ça là.
et je ne suis pas au courant. Mais quand je parle, elle n'est pas convaincue. Elle se dit non, ce n'est pas vrai. C'est vous, c'est avec vous que je parlais, tout cela. Donc, vous voyez, moi, je ne peux pas comprendre comment vous pouvez être obsédé, aveuglé au point d'aller jusqu'à faire des bêtises comme celle-là. Et l'Église sert donc à quoi? Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu. L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Comme pour dire qu'il y a un code de conduite dans l'Église. Il y a un code de conduite. Il y a une façon de se conduire dans l'Église. En tant que chrétienne, nous avons quand même un standard de vie. Il y a un standard de vie. Il y a des choses que... Bon, maintenant, quand ça vient des gens de dedans, ça vient d'un croyant, de quelqu'un qui dit qu'elle est née de nouveau, qu'elle est enfant de Dieu. Tous les dimanches, elle vient, elle adore, elle se met à genoux, elle tombe par terre, elle pleure, elle lève les mains vers le ciel. Mais cependant, elle est capable de faire des choses comme celle-ci. Je suis un peu dépassé. Je suis même déboussolé, à la limite. Et puis même, peut-être, je me demande si le travail que je fais porte du fruit, parce que je ne peux pas comprendre. Avec tous les messages que je prêche, tous les conseils que je donne, en ce qui concerne l'abstinence, la sanctification, et puis la consécration. Mais que les gens fassent des choses comme celle-là, et puis appellent mon nom, c'est-à-dire le nom de leur papa spirituel. Appellent mon nom et pour faire des choses comme celle-là. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Déjà pour la dignité de la femme elle-même, pour la concerner, je crois que ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et je pense qu'elle, elle a exprimé. Il y en a qui n'expriment pas, qui sont nombreuses là à l'église. Moi, je crois que bien aimé, ce n'est pas bon. Parce que ça commence comme ça. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Après, on va dire, oh non, voilà tel pasteur, tel prophète. Hein? Il couche avec les femmes, il monte, il descend avec les femmes. Mais on ne sait pas que ce sont ces femmes qui provoquent les hommes de Dieu. C'est les femmes qui nous provoquent. C'est les femmes qui nous mettent dans des situations compliquées. Bon, maintenant, vous voyez une vidéo comme celle-ci. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a fermé, vous allez faire comment? Le diable te dit quoi? Cherche-la. Parce que là, vraiment, même pour quoi que ce soit, elle est prête à venir. Elle va sauter sur toi là. Vraiment, elle ne te demande rien gratuitement. Genre, tu auras tout ce que tu veux. C'est ça le problème. Donc, les hommes de Dieu ne sont pas en sécurité dans les églises. Avant d'accuser les hommes de Dieu, je pense aujourd'hui, remettons en cause d'abord même les brebis elles-mêmes. Les brebis sont de quelle moralité? Quel genre de chrétiens nous avons? Et c'est pour cela que le mariage est compliqué aujourd'hui dans l'église. Le mariage est compliqué. Pourquoi? Parce que tu vois un frère à l'église. Tu te dis que non, ça c'est un frère. Tu vois, il est engagé dans la chorale ou bien il préside au culte à l'église ou bien même il prêche. Mais le frère a déjà couché avec la moitié des sœurs dans l'église. C'est ça la réalité de l'église aujourd'hui. Ça, cette vidéo nous prouve encore que ce que je suis en train de dire est la stricte vérité. Tu vas voir une sœur à l'église. Parce que normalement, on se dit non, dehors, il n'y a pas les femmes. Dehors, il n'y a pas les vrais hommes. C'est des bandits là-bas. C'est des escrocs. C'est des malhonnêtes. Donc, je vais venir chercher ma femme dans l'église. Tu viens dans l'église, tu vois une sœur. Elle est sérieuse. Elle chante à la chorale. Mais tu ne sais pas que la sœur a déjà avorté au moins 10 fois. Là où elle chante à la chorale, là. La moitié des frères de l'église ont couché avec elle. C'est ça la vérité. Et c'est pour cela que les mariages échouent de plus en plus dans le milieu chrétien. Faites une étude. Vous trouverez que sur 10 mariages, 2 réussissent dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une fausse personne épousait une fausse personne. La vérité est en train de fuir l'église. La vérité est en train de fuir la maison de Dieu. Les enfants de Dieu sont de plus en plus corrompus. Les hommes de Dieu sont de plus en plus corrompus. Tu arrives dans une église, l'homme de Dieu, toute sa chorale passe par lui. D'ailleurs, avant même d'entrer dans la chorale, tu dois passer d'abord sous le pantalon de l'homme de Dieu. C'est ça la réalité. Cette vidéo le prouve, mes amis. Tu ne peux pas appeler le nom de ton papa spirituel en faisant des bêtises comme celle-là, des impuretés comme celle-là. Ça pose un réel problème de moralité. Où est la moralité, la bonne moralité dans l'église? Alors, l'église qui devrait être la dernière forteresse pour la justice, pour la vérité, pour la crainte de Dieu, pour la bonne moralité, et en train de perdre cela, nous irons où? Nous ferons comment? On va faire comment? Je dis encore, dans l'église aujourd'hui, ne regardez pas les apparences. Je le dis en tant qu'homme de Dieu. Je connais ce qui se passe dans l'église. Ne regardez pas les apparences, mes amis. Tu peux voir quelqu'un d'une apparence de sainteté, mais on te dit ce que la personne fait. Dans tous les cas, tu vois la personne à l'église, elle est sainte, elle a l'apparence de la sainteté, etc. Pourtant, la personne mène une vie de débauche de haut niveau. Les partous, la prostitution, et tout ça, tout ça, tout ça, dans nos églises comme ça. C'est plein. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, trouver
un mari, un époux, même pas le mari, ça ne manque pas, mais un époux, ça veut dire un homme qui t'aime, un homme qui te valorise, un homme qui te respecte, un homme qui te reste fidèle, un homme qui te valorise en tant que femme, qui te donne le bonheur, qui te donne la joie de te sentir femme. C'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare dans l'église. Trouver une femme dans l'église, ce n'est pas un problème, mais trouver une épouse, une femme digne, une femme qui craint Dieu, une femme qui t'aime en tant que son mari, qui te soit fidèle à la mort, une femme qui vive pour toi, qui t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as. C'est rare dans l'église aujourd'hui. Trouver les épouses dans la maison de mon Dieu aujourd'hui, c'est compliqué. Trouver les époux dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est compliqué. Même les hommes de Dieu ne s'en sortent pas. Beaucoup d'hommes de Dieu, même étant mariés, abandonnent leurs épouses pour aller dormir dehors, pour découcher, aller dormir avec des prostituées. Donc la vérité aujourd'hui blesse. L'église est en train de perdre son identité spirituelle. Les enfants de Dieu, la mondanité est en train de faire rage. Dans la maison de Dieu, la mondanité est en train de faire rage. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans les Saintes Écritures? Quand vous lisez, je pense que c'est 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens combien, mais c'est 1 Corinthiens 6. Il dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez du milieu d'eux. Donc aujourd'hui, l'inconversion est en train de battre son plein dans l'église. Les chrétiens sont inconvertis de plus en plus. Le monde nous rattrape de plus en plus. Ça veut dire que, vous voyez, les églises, mais les chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils vont aussi en boîte de nuit en même temps. Ils viennent à l'église, mais ils vont chez les marabouts. Ils viennent à l'église, mais ils fréquentent les prostituées aussi en même temps, vous voyez. Donc, et c'est ça, l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Il dit, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car elle dit, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc les deux deviennent une seule chair dans l'acte sexuel. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, pour trouver donc ceux qui sont attachés au Seigneur et qui sont devenus un seul esprit avec le Seigneur, c'est rare dans l'église aujourd'hui. Et il dit au verset 18, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, la sanctification ne touche pas seulement le corps. L'esprit, comme certaines personnes disent, non, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur, il voit aussi l'extérieur. Donc, il faut que les gens comprennent cela. On doit comprendre cela. Mais l'église, aujourd'hui, c'est compliqué, mes amis. C'est compliqué. Si on vous montre ce que les frères en Christ font en secret, tu ne vas plus venir à l'église, tu vas vomir. Non, tu vas vomir. Ça, je vous dis la vérité. Tu vas vomir. Si on te montre, que voici telle personne, voici ce qu'elle est en train de faire en secret. Non. Tu vas vomir. C'est la réalité de l'église aujourd'hui. Comment tu peux prendre le nom de ton pasteur pour faire une sextape avec? Sincèrement. Et en plus, envoyer la vidéo, envoyer ça à quelqu'un. Vraiment, qu'est-ce que ça signifie? Comment interpréter ça? Comment comprendre cela? Comment le comprendre? Prends ta propre vidéo, la vidéo de ta nudité, pour l'envoyer aux gens. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est-à-dire qu'un croyant et les païens ne doivent pas se mélanger pour pécher, pour vivre la vie des païens. Un croyant, c'est quelqu'un mis à part. C'est une personne qui est séparé du monde, qui a été crucifié pour le monde et pour qui le monde a été crucifié. C'est ça, en fait, qu'on devait trouver dans nos églises. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Mais c'est le contraire qu'on voit dans l'église aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont amis avec des païens.
Et ils vont dans des fêtes païennes. Ils vont dans des milieux païens. Ils pratiquent des pratiques païennes. Ils vont dans les boîtes de nuit avec les païens. Ils vont faire des prostitutions avec les païens. Ils vont boire dans les bars avec les païens. Toi qui es enfant de Dieu, tu es toujours dans les fêtes des païens. En train de boire avec les païens. En train de sortir avec les païens. En train d'aller dans les boîtes de nuit avec les païens. En train de vous livrer au beuvrage avec les païens, au partout avec les païens, à la prostitution avec les païens. Tu es enfant de Dieu, tu as pour amis les pécheurs, pour amis les prostituées, etc. Et tu vas avec eux, tu vas te mettre sous des jougs étrangers avec eux. Où est donc la différence entre toi et ceux qui ont cru et qui n'ont pas cru? Quelle est la différence? Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ça dit, quel est l'accord entre Jésus et Satan? Quel est l'accord, sincèrement? Les enfants de Dieu sont mis à part. Nous avons un standard de vie, la sainteté, la consécration à Dieu. C'est ça notre vie, la pureté de vie, la propreté de vie. La propreté de vie, une moralité propre, ça veut dire quand on le voit, la justice. Mais les enfants de Dieu sont plus bandits que les mondains aujourd'hui. Plus bandits. Plus bandits. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Tu es un enfant de Dieu, tu fumes plus que les tes camarades qui n'ont pas cru. Tu es enfant de Dieu dans quoi? Tu es enfant de Dieu, tu bois plus que les païens. Tu es donc enfant de Dieu en quoi? Tu es enfant de Dieu, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Oh non, on est enfant de Dieu en quoi, sincèrement? Tu es enfant de Dieu, tu pars en boîte de nuit, tu es différent de ceux qui sont dans les boîtes là comment? Pourquoi après tu veux que la gloire de Dieu soit sur toi? Ce n'est pas possible. Ce qui arrive à ceux qui mènent cette vie t'arrivera aussi. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est-à-dire que nous, qui sommes son temple, et les choses, les pratiques idolâtres, les pratiques pécheresses, les pratiques mondaines, les milieux mondains. Un enfant de Dieu né de nouveau, il y a des milieux où il n'entre pas. Il y a des gens avec qui il ne peut pas être ami. Il y a des gens avec qui il ne peut pas marcher. Excusez-moi, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Un enfant de Dieu authentique ne peut pas avoir pour ami un non-croyant. Je répète, un enfant de Dieu né de nouveau, authentique, ne peut pas avoir pour ami un non-croyant. Je parle de l'amitié profonde, hein. Je parle de l'amitié. Il peut avoir des camarades. Il peut avoir des camarades, il peut avoir des collègues, il peut avoir des personnes avec qui il s'entend, qui sont des non-croyants, parce que l'apôtre Paul dira qu'autrement il faudrait sortir de ce monde. Mais il dit quoi? Il dit que tu ne peux pas avoir pour ami intime un non-croyant, parce qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Un non-croyant n'a rien à t'apporter. Les ténèbres n'ont rien à apporter à la lumière, c'est la lumière qui apporte aux ténèbres. Qu'est-ce que Jésus dit? « Umeis este tes alas tes ges » Vous êtes le sel de la terre. Umeis este tophoston cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Donc c'est la lumière qui dirige les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui dirigent la lumière. Mais aujourd'hui, c'est les païens qui nous donnent des conseils. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit que lorsque deux enfants de Dieu, vous avez des différends, c'est devant les païens que vous allez être jugés. C'est les païens qui vous jugent. Et l'apôtre Paul dit que vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Ce n'est pas aux païens de nous juger, c'est à nous de juger les païens. C'est à nous de dire aux païens ce qu'il faut faire, parce que nous sommes la lumière et eux, ils sont dans les ténèbres. C'est à nous de les ramener dans la lumière et non pas à eux de nous diriger par les ténèbres. Les ténèbres ne dirigent pas la lumière. Il dit la lumière, lui, dans les ténèbres voient la lumière et se dissipent. Ce n'est pas les ténèbres qui luisent dans la lumière. Donc comment tu peux être né de nouveau? Tu as pour confident tes amis, tes confidents, c'est les païens. C'est aussi pour cela qu'à la fin, tu vas finir avec une beaufort en main. Tu vas finir avec la cigarette ou bien avec le bang, avec la drogue dans ta main. Tu vas finir par la prostitution. Pourquoi 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un enfant de Dieu doit faire attention à ses compagnies. Il doit être sélectif et très rigoureux, très jaloux de sa compagnie. J'ai médité l'autre jour sur une recommandation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Peut-être que je vais me prêcher sur ça. Il dit, ne jetez pas les choses saintes aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ouais. Donc les pourceaux ne connaissent pas les choses saintes, ne connaissent pas les perles, il dit les perles précieuses. Ne jetez pas les perles précieuses aux pourceaux, de peur qu'ils les foulent aux pieds. Parce que les pourceaux ne connaissent pas la valeur des perles précieuses, c'est ça la vérité. Un non-croyant ne connaît pas ta valeur. Il ne sait pas combien ça coûtait à Christ pour que tu sois ce que tu es devenu. Un enfant de Dieu, né de nouveau et authentique. Donc un païen va t'amener dans des mauvaises vies là, les mauvaises rencontres, etc. Et beaucoup de femmes chrétiennes qui étaient fidèles et loyales dans leur foyer sont devenues infidèles. Le jour où elles ont commencé à nouer d'amitié avec les gens de mauvaise vie. Marche avec les gens de mauvaise vie. Tôt ou tard, tu deviendras une personne de mauvaise vie. Marche avec les gens de bonne vie. Tôt ou tard, tu deviendras une personne de bonne vie. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et c'est la vérité que vous ne voulez plus entendre. Même dans le sens du mariage. Vous êtes
prêt à aller épouser n'importe qui, les mondains, les païens, même si c'est un sorcier. Mariage à tout prix, par tous les prix, par tous les moyens. Et c'est une erreur. Et c'est pour cela que l'Église est gangrénée aujourd'hui. La vérité est en train de nous fuir. La sainteté est en train de nous fuir. La consécration est en train de nous fuir. Le standard de vie chrétien est en train de nous fuir. Parfois, je demande à mes enfants, vous m'avez déjà vu avec quel ami? Quelle personne que je vais chez elle? J'ai dit que je vais rencontrer telle personne pour causer, passer la journée avec elle. C'est rare. Je marche avec les personnes qui craignent Dieu. Je marche avec les personnes qui partagent la même vision, la même consécration. En tout cas, je suis ami des consacrés. Tu n'es pas consacré, toi et moi, on ne peut pas s'entendre. Hein? Il dit, c'est pourquoi, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et c'est le contraire que l'Église fait aujourd'hui. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Voilà l'évangile qu'il faut que chacun de nous puisse comprendre. Sortez du milieu d'eux. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de différence entre la vie d'un croyant et la vie d'un non-croyant. Non, non, il n'y a plus de différence. Parfois même, les non-croyants sont plus justes que nous. Ils sont plus pieux que nous. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux vous assurer que lorsque j'ai des travaux et que les techniciens viennent, quand un technicien vient et me dit « Je suis né de nouveau, je suis un frère en Christ », automatiquement, il a perdu le marché. Il a perdu. Non, je ne t'emploie plus. Tu as perdu. Donc, il ne faut même pas venir chez moi en disant « Je suis né de nouveau ». Pourquoi? Parce que le plus grand mal qui m'a été fait dans ma vie, que ce soit sur le plan technique des infrastructures, que ce soit les constructions, les chantiers que nous avons eu à réaliser, ce sont ceux qui s'appellent nés de nouveau qui m'ont frappé, qui nous ont volé des millions et des millions. Et ils nous ont volé, pourquoi? Parce qu'on ne se méfiait pas d'eux. Nous leur faisions confiance. Et donc nous sommes endormis, nos esprits se sont endormis dans cette confiance aveugle. Et ils ont profité pour nous faire du mal. C'est la vérité. Tandis que lorsqu'un non-croyant vient, et qu'il commence à faire un travail avec toi, automatiquement, tu sais que non, il peut te voler d'un moment à l'autre, donc tu veilles. Mais j'ai rencontré des non-croyants plus justes, plus pieux que ceux qui se disent être enfants de Dieu, même serviteurs de Dieu. C'est ça la triste réalité. Donc, les scandales dans les églises aujourd'hui, ce n'est pas la faute des pasteurs seulement. Il faut aussi que les gens commencent à comprendre qu'il y a des femmes dans nos églises qui ne sont pas là pour le but de l'évangile, qui sont là pour mission d'abattre l'homme de Dieu, qui vise l'homme de Dieu. C'est ça, on ne peut pas nier ça. Parce que quand il y a des scandales, on ne parle pas de la fille. On parle seulement du pasteur. Non. Il faut d'abord comprendre ça, commencer comment. La plupart du temps même, je ne dis pas que les pasteurs ne draguent pas les femmes. Il y a les pasteurs qui le font, ça c'est clair. Mais je suis en train d'expliquer qu'il y a beaucoup de jeunes femmes dans nos églises qui sont là pour nous tacler. Si le pasteur n'est pas vigilant, il va se retrouver le dos par terre. C'est ça la vérité. Il va se trouver le dos par terre. Mais quand le scandale viendra, on ne va pas voir que c'est la fille qui a commencé à faire les yeux doux au pasteur. C'est la fille qui a cherché à séduire le pasteur. C'est la fille qui a envoyé telle ou telle chose au pasteur. Mais on va simplement dire que oh, le pasteur là, il nous trompait ici. Oh non, le pasteur là, c'est un mauvais pasteur. C'est un faux homme de Dieu. Ah, vraiment, le voilà, il couche avec les femmes. Oh, les pasteurs d'aujourd'hui. Voilà, alors ces églises là, on a toujours dit que le gouvernement doit les fermer, etc. Vraiment, le gouvernement doit prendre ces questions-ci très au sérieux parce que ces pasteurs sont en train de séduire nos filles. Mais vos filles, on les a violées. Et si on les a violées, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? N'ont-elles pas dressé le lit et parfumé la chambre? Est-ce qu'elles sont venues vous voir? Et puis, j'ai dit une chose. Lorsque vous voyez une femme venir en direct sur Facebook ou bien les réseaux sociaux, commencer à dire que non, j'ai sorti avec tel homme de Dieu. On a sorti ensemble pendant 11 ans. On a sorti pendant 6 mois. On a vécu ensemble pendant un an. Mon ami, tu es enfant de Dieu, non? Bon, ok, considérons que lui, c'est un pasteur. Il ne doit pas le faire. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu dois le faire. Si ton pasteur pêche, tu es obligé de pêcher. Vous ne serez pas le même Dieu. Les mêmes lois qui régissent ta vie spirituelle, ce n'est pas les mêmes lois qui régissent la vie spirituelle de ton pasteur. Pourquoi tu vas condamner ton pasteur? Ah non, le voilà, c'est lui qui m'a séduit. On est sortis ensemble. Un faux pasteur. Tu dois d'abord dire qu'il reconnaît que tu es un faux chrétien. Tu es une fausse chrétienne, toi-même d'abord. Tu es plus fausse même que lui. Parce qu'une vraie chrétienne ne peut pas accepter séduire son pasteur. Même si ton pasteur est faible, même s'il est faible, il vient vers toi, tu peux sauver la vie de ton pasteur, mon ami. Tu peux sauver ton pasteur. Tu peux le sauver. Tu peux sauver ton pasteur, madame. Tu peux dire à ton pasteur que non, papa,
Vraiment, tu es la lampe de Dieu. Je n'accepterai pas que tu sois éteint. Je dois te préserver, je suis ta fille, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes là, papa. Servons le Seigneur, lève-toi, papa. Vraiment, la mission est grande, papa. Nous t'aimons, papa. Nous croyons en toi, papa. Le monde entier croit en toi, papa. C'est ce genre de fille que nous voulons dans l'église. Pas le genre de fille que tu lui dis seulement, c'est quoi l'amour? Et tu dis, papa, oh, papa, comment t'en dis comme ça, papa? Papa, le grand matin comme ça. Attends que le soleil se lève d'abord, non? Dis-moi, ma fille, l'amour, c'est quoi? Et papa, laisse-moi, l'amour, c'est que tu me aimes, je te aime aussi, non? Et papa, l'amour, c'est que tu es en haut, moi, je suis en bas, non? Avant de dire à ta fille que non, l'amour, c'est un fleuve en France. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Donc, avant de remettre en cause les pasteurs qui tombent, remettons d'abord en cause ceux qui les font tomber. À moins que ce ne soit un viol. Mais je n'ai jamais vu un cas vraiment ouvert là de flagrant, en flagrant délit d'adultère, en flagrant délit. On dit que c'est un viol. Le plus souvent, ce sont des rapports consentis. Consentis. Et je dis encore ceci. Soyons honnêtes. Lorsque vous faites des enquêtes dans ces histoires, vous trouverez que peut-être même c'est la femme qui a commencé à séduire le cœur du pasteur. C'est la femme qui a commencé. Mais quand on veut lapider, on lapide seulement l'homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu n'ont pas droit à une seconde chance. Mais la fille, elle disparaît. Elle va continuer sa mission dans une autre église. Et c'est comme ça que les hommes de Dieu se retrouvent avec les calvities. Les hommes de Dieu se retrouvent avec les calvities. Hein? Comme j'ai touché ma tête, derrière ici, là, il y a comme un... Il y a un vide qui se crée. Quand j'étais jeune, mes cheveux, ça tournait comme ça. Donc, il y avait le vide ici. Ouais. Donc, le vide, je me rends compte que plus l'âge est en train de passer, plus le vide est en train de se créer. Et j'ai dit au prophète Marcia hier que je ne peux pas accepter la calvitie sur ma tête. Alors, on était en train de me coiffer. Et c'est un coiffeur qui attire mon attention. Mon coiffeur, il attire mon attention. Il me dit, prophète, il touche derrière ici là. Il me dit, prophète, vraiment, c'est comme s'il y a un début de calvitie sur votre tête derrière ici. Je lui ai dit comme mon ami, si tu savais le thème de ce mois dans lequel nous sommes, tu n'allais pas déclarer une chose comme ça sur moi. Il m'a demandé que le thème c'est quoi, le thème de ce mois c'est quoi, prophète. Je lui ai dit, le thème de ce mois dans notre église, c'est retour à l'expéditeur, back to the sender. Je lui ai dit que je ne veux pas ouvrir ma bouche sur toi, si tu connais le thème, tu ne peux pas me dire telle chose. Donc en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, bien-aimée, jeune femme, tu as une dignité que tu dois garder, tu dois préserver, tu as une dignité, c'est très important. Ta dignité, retrouve ta dignité. Que les femmes dans nos églises retrouvent leur dignité. Sauvez-nous. Nous sommes vos pasteurs. On est fait de chair et d'eau. De chair et d'eau. D-O-S. Nous sommes faits de chair et d'eau. Donc ne nous rendez pas la vie difficile. Déjà, Satan ne nous laisse pas tranquille. Satan nous fait déjà ça assez dur. Pour que vous aussi, vous veniez encore nous mettre dans des situations compliquées. Ayez pitié de vos pasteurs, jeunes sœurs. Sauvez-nous, aidez-nous, et le ciel nous aidera, nous tous. Ayez pitié de nous, pardon, laissez-nous vivre, on veut vivre, on veut servir Jésus. Vous savez, le sexe a une grande puissance. Et la femme, l'instrument le plus puissant que la femme détient, ce n'est pas sa bouche. L'instrument le plus puissant d'une femme, c'est quoi? C'est son sexe. C'est ce que les gens doivent comprendre. L'instrument le plus puissant de la femme, c'est le sexe. C'est avec le sexe que les femmes contrôlent les gens, contrôlent les hommes surtout. Donc, il faut faire attention, bien-aimé. Nous voulons vivre. Hein, chers, si je tombe maintenant, qui va encore te prêcher l'évangile? Si je tombe, qui va encore te prophétiser? Si je tombe là maintenant, le voyage dans l'esprit, qui va encore te faire ça? Donc, aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à servir le Seigneur et à vous servir. Nous sommes vos serviteurs. Ne nous finissez pas. Hein? Ne nous finissez pas. Au contraire, l'Église a besoin d'une nouvelle génération de femmes. De femmes protectrices de la lampe de Dieu. Des femmes qui peuvent dire non. Ça, c'est... Je ne peux pas. Non, non. Vraiment, des femmes qui peuvent rester tranquilles. Des femmes qui peuvent rester sur place. Et dire non. Vraiment, je voudrais garder, je veux préserver l'homme de Dieu. Je veux garder la lampe de Dieu. Je veux la préserver. Donc, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10h. Ne rate pas notre direct. Que le nom de Jésus soit ton partage, qu'il soit ta bannière. Demain 10h, on va continuer ce direct. Que Dieu te bénisse. Amen.